Salut, fidèles de la Chirifa, j'espère que vous allez très très bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Me revoilà de nouveau, je suis revenue à mon système. Donc là, d'abord, si vous constatez que la longueur de mes cheveux, elle a changé. Avant, c'était là, et maintenant, c'est là. Donc, ça veut dire j'ai obtenu un bon résultat. Et je voulais vous dire, il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce que c'est mes vrais cheveux ou c'est des faux cheveux? Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité sur mes cheveux. Donc, voilà. D'abord, on va parler d'un produit et je vous dis la vérité. Donc, pour avoir de beaux cheveux, des cheveux sublimes, des cheveux qui ont du volume, des cheveux qui ne sont pas gras, des cheveux qui n'ont pas de pellicule, des cheveux qui poussent très très bien, des cheveux qui grandissent vite fait, des cheveux sublimes, de beaux cheveux, des cheveux extraordinaires. Donc, là, je vais vous montrer un produit que j'ai utilisé. C'est un produit qui existe depuis des années et des années et des années et des années. Mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est ça la question. Donc là, moi, j'ai pris ce produit et je l'ai utilisé pendant une semaine et j'ai vu le résultat. Mais comment on va faire ce produit? Le voilà déjà, c'est l'huile de ricin. Il est connu dans, on peut le trouver dans les grandes surfaces, dans les magasins, supermarchés, dans les magasins cosmétiques. Voilà. Donc, comment j'utilise ce produit? Je prends une cuillère à soupe, je le mets entre mes mains et puis je frictionne toute la cuir chevelure. Et surtout les places où il n'y en a pas de cheveux. Par exemple, il y en a qui perdent ici, là, qui en a des trous, là, des creux, là, sur le crâne, et puis derrière. Moi, j'en avais perdu ici, là, cette partie-là. C'est cette partie-là qui m'a beaucoup gênée. Et j'ai touché un jour et j'ai trouvé qu'il n'y a plus de poils. Donc, j'ai couru vite fait pour chercher un remède. Voilà. Donc là, quand j'ai utilisé ce produit pendant une semaine, j'ai vu le résultat. C'est une semaine. Comment il faut l'utiliser? Donc, j'ai pris une mesurette cuillère à soupe de l'huile de ricin. J'ai frictionné ma cuir chevelure, j'ai massé très très bien, j'ai laissé comme ça mes cheveux en l'air du matin jusqu'au soir. Après, j'ai lavé mes cheveux. Donc, je l'ai fait le premier jour, deuxième jour, j'ai pas fait, troisième jour, j'ai fait, le quatrième jour, j'ai pas fait et le cinquième jour, j'ai fait. Donc, j'ai fait trois fois par semaine, trois fois par semaine. Trois fois par semaine, j'ai fait et j'ai vu le résultat. Donc, je l'ai utilisé à partir du mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, on est au mois d'octobre. Ça fait le sixième mois. Donc, j'ai trouvé un très, très bon résultat. Mais avec l'huile de ricin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gamme. J'ai pris une gamme qui est connue. C'est une gamme qui est utilisée par les grands salons de coiffure. Elle est connue, mais elle est très très bien. C'est Jacques de Songe. Et on a plusieurs shampoings, après shampoings, crème qu'on peut utiliser sur cheveux secs, sur cheveux humides. Quand vous sortez de la douche, vous essuyez avec une serviette et puis vous mettez la crème. Le sérum. Les masques, les huiles, il y en a beaucoup. Moi, j'ai acheté peut-être 1000 produits comme ça.
J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne et il reste encore d'autres produits, mais c'est de la même marque parce que cette marque Jacques de Sange, c'est une vaste marque et c'est une grande marque et on a plein pour les cheveux gras, les cheveux qui sont fins, les cheveux qui ne poussent pas, les cheveux qui se cassent. Il y a plein, il y a toutes les sortes, si vous voulez, toutes les sortes de shampoings. Et après shampoing et crème et les huiles. Donc, j'ai fait comme ça. Je mets de l'huile et j'ai pris un shampoing, l'après-shampoing, le masque et la crème et le sérum. Tout le temps, jusqu'à maintenant. Mais j'évite le séchoir. Il faut éviter le séchoir et aussi éviter les brushings. Si vous brushinguez tous les jours, bien une fois par semaine, et même une fois par semaine, ça fait mal aux cheveux. Ça fait très mal aux cheveux. Vous allez pas avoir le bon résultat. Donc, évitez le séchoir et le brushing. Évitez-le le maximum. Donc, moi, normalement, moi, je ne fais pas le séchoir. J'aime pas et je le fais pas. Je sèche mes cheveux avec la serviette et puis je les laisse comme ça en l'air jusqu'à ce qu'ils sèchent. Mais pour le brushing, je le fais très rare. Rarement que je fais le brushing, pas tout le temps. Donc, je fais de cette façon. Donc, et après, j'ai obtenu un très bon résultat et je suis contente et fière de ce résultat. Donc, les filles, j'ai partagé avec vous l'huile de ricin et puis à chaque vidéo, je vais vous montrer un produit de la gamme Jacques de Sange. Et je vais vous dire à quoi ça sert ce shampoing et ce après-shampoing et cette crème et les huiles. Chaque fois ou bien chaque semaine, je vais vous faire une vidéo. Donc les filles, j'ai partagé avec vous ce que je fais et n'hésitez pas à l'utiliser vous aussi et vous allez obtenir le même résultat, mais il faut suivre la même façon comme je vous ai dit ou bien comme je vous ai montré. Donc je vous dis n'hésitez pas à me faire des commentaires et des likes, aidez la chaîne à avancer, mettez des likes dans mes vidéos et puis partagez ma chaîne avec les amis et tous ceux que vous connaissez. Comme ça, on avance dans la chaîne et puis je vous ramène toujours des nouveautés comme avant, la même chose. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.